Le projet des personnes disparues, qui est une initiative que vient de lancer le CICR, c'est travailler avec les autres, travailler tous ensemble pour améliorer la manière dont on fait de la prévention, on cherche les personnes disparues et on soutient les familles. Travailler ensemble pour d'abord identifier ce qui marche, les expériences positives qu'il y a dans le monde entier, dans plein de situations différentes, que ce soit les conflits mais aussi les catastrophes naturelles, et ce qui est aujourd'hui en train de développer dans la migration pour trouver les migrants disparus. Donc travailler ensemble pour identifier ces meilleures pratiques, ces expériences positives, ce qui marche, et à travers un processus de réunion d'experts, créer, identifier, consolider les recommandations et les standards qu'il faut que tout le monde partage et que tout le monde applique pour que le travail soit mieux fait. Le CICR travaille depuis 150 ans et depuis 100 ans à travers l'Agence centrale de recherche. Dans deux guerres mondiales, dans toutes les crises qui ont existé, on a travaillé à la réunification des familles, à prendre les demandes de famille et à essayer d'identifier vers où les personnes qui sont recherchées se trouvent. Ce travail-là, il a été fait dans le passé à travers des messages papier, à travers des recherches de terrain. Aujourd'hui, c'est le même principe, sauf qu'on utilise et on doit de plus en plus utiliser les techniques nouvelles, les nouvelles technologies, le travail de digitalisation, de tous ces outils-là est en train de se faire. Mais il y a aussi des nouveaux défis qui sont liés à la migration et au fait que les routes migratoires sont très longues et que la recherche de quelqu'un qui a passé à travers 10 pays différents n'est pas la même que quand on cherche dans une zone de conflit, par exemple, qui est relativement identifiée. Donc il faut développer de nouvelles techniques. Et c'est là où on a besoin de nouvelles idées, de nouveaux experts, de gens qui peuvent nous aider à améliorer les techniques avec ces nouveaux outils.